Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Nico. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Syndicate. Donc ça sera la mémoire 7, non, séquence 7, mémoire 1. Donc c'est parti. Je sais plus s'il y a une cinématique ou pas. Lalalala. Ok. À nous deux, B. Qui es-tu et à quoi joues-tu? Donc là, dans mes souvenirs, il ne faut pas se faire repérer. Allez, c'est tout droit, on y va. Est-ce qu'il y a un tas de foin? Ouais. Hop là. Ok. Oui, il faut pas. Non, rejoindre. Ok. Allez, butez-vous. Comme ça, moi, je vais pouvoir passer. Donc, lui, il est parti. Allez, on va en profiter. Alors, on va passer par là et hop là. Alors, là. Ok. Je vais faire ça tout de suite, comme ça après je serai tranquille. Merde. J'ai tendance à pencher la tête quand je vois pas, comme si c'était mon ma vision à moi qui allait pouvoir voir ce qui se passe en bas, mais non. Allez, hop, lui il est mort. Là, l'autre. Oh bah il va mourir aussi. Voilà. Comme ça les deux derniers vont se battre l'un contre l'autre, du moins j'espère. Au pire, on va pas non plus attendre. Voilà. Là il y a des pigeons. Allez, hop. Voilà. Donc comme ça lui il est mort. Là, il n'y en a plus. Ah merde, il reste celui-là. Bon, apparemment je siffle mais il entend rien. Ah putain, mais sous de moi lui. Putain, mais les gars, vous regardez jamais en l'air. Vous avez les oreilles bouchées. Et puis il y a le mec là qui vient voir le tas de foin, en se demandant ce que c'est. Si je m'approche. Hop, 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 hop. Là. Allez, viens avec moi. Toi, tu vas visiter un endroit très charmant qui s'appelle les mauvaises herbes. Alors, on va se positionner ici. Donc là, logiquement, il reste plus aucun flic. Donc j'ai juste à me cacher avec Tiens, eux. tiens, voilà mon vieil ami Mais d'Israël. apparemment, il veut pas se cacher. Alors, premier ministre, lequel de tes amis s'apprête à te poignarder? Ah non. Ah non, d'accord, c'est de l'autre côté les flics. Tant mieux. Par contre, faut que je m'approche. Ok. Ça, c'est moins cool parce que je pensais être planqué, moi. Oh putain. Merde, je pensais qu'en butant tous les flics, j'aurais été tranquille. Ah, dépêche-toi parce qu'il me reste qu'une cinquantaine de secondes là pour entendre la conversation. Ah d'accord, ne tuez aucun garde. Ah ça c'est pas cool. Je fais un peu n'importe quoi là quand même. Mais bon, si j'arrive à esquiver, à fuir son regard là, de façon à ce qu'il me voie pas, ou du moins, si j'arrive à faire en sorte
qu'il se préoccupe du dernier endroit où il m'a vu. Sneak. Ah putain, il y en a un autre de l'autre côté. Je vais jamais m'en sortir. Parce que si c'est pas un qui va me voir, ça va être l'autre. Ah putain, il arrive. Plutôt que renoncer à un iota de pouvoir. D'Israëli, vous déraisonnez, et c'est un euphémisme. Bah c'est bon, il part. Ok. Dans la boue sans rien faire. Donc l'autre il est où? Ouais, il est reparti là-bas, donc c'est bon. Et l'autre, il revient. Je vais rester là, je vais essayer de faire attention à ce qu'il ne vienne pas vers moi. Ce n'est pas parce que je souhaite que le gouvernement reste à l'écart des juges que vous pouvez vous permettre de m'insulter. Oh putain. Je ne le tolérerai pas. Dans ce cas, vous aurez votre requête caduque. Monsieur, je ne vous salue pas. B, je présume. Eh ben, j'ai eu chaud quand même. Ah, je pensais pas. Je pensais que j'allais me faire griller, quoi. Yeah. Ravi de te rencontrer. B. B? Je m'appelle Herbert. Alors pourquoi suis-tu le Premier ministre? Non, pour l'argent, monsieur. Quelqu'un m'a payé pour... Petite vipère. Mais allez. On va aller lui couper la tête à la vipère. Enfin, attends, non, on va pas lui couper la tête, on peut pas le faire, mais... Alors, toi, t'es là-bas. Hop là. Triangle. Pas besoin. Mais dépêche-toi. Non! Pourquoi tu sautes là? Non! C'est. Bah alors tu descends! Allez, allez! Dépêche, 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 dépêche! Elle va me viser. Hop là, on m'esquive. Je vais te faire un petit plaquage. Hop là. Je suis né à Crowley, mais peu importe. Pour qui tu travailles? J'ai jamais su son nom. Un vieux à grosse moustache, avec une sorte d'uniforme, de hussard peut-être. Que veut-il? Pitié, il va me tuer. Et une chute de 3 étages va te briser les jambes et t'envoyer à l'hospice. Tu ne préfères pas lui échapper? C'est pour demain. Mes gars doivent attaquer la voiture du Premier ministre sur le chemin du Parlement. Parfait. Et voilà, la séquence 7 mémoire 1 termine à 100%, les défis ont été relevés malgré que j'ai galéré un petit moment quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, et puis pour me suivre bien sûr, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut !